Je suis Jeanne Séguéla-Boucher, la cofondatrice de Fava. Fava, c'est une marque française de produits intimes 100% bio et éco-responsables qui accompagne les femmes à chaque étape de leur vie dans leur intimité. Nous avons eu la chance en 2022 de pouvoir être présentes sur le stand de la CCI Paris-Île-de-France. C'était une réelle opportunité pour nous. Ça a été des moments forts en échange, des opportunités de business et de développement commercial pour notre start-up. Et on ne regrette absolument pas de l'avoir fait. On aimerait pouvoir y participer tous les ans. Aujourd'hui, Fava continue sa croissance. Nous avons recruté de nouvelles personnes dans notre équipe. Nous avons aussi démultiplié notre présence en retail, donc dans les points de commerce dans lesquels nous sommes vendus. Et puis, nous accompagnons de plus en plus de structures privées et publiques, que ce soit des entreprises, des établissements scolaires, des collectivités, associations, dans la mise en place de distributeurs de protection hygiénique afin de pouvoir répondre de manière encore plus pertinente à des sujets comme la qualité de vie sur le lieu de travail ou le lieu d'études, et surtout de pouvoir aider à contribuer à la lutte contre la précarité menstruelle. Aujourd'hui, nos objectifs sont d'aller encore plus loin dans cette démarche et dans ces engagements pour pouvoir encore plus venir en aide au plus grand nombre de femmes. Participer au salon VivaTech, c'est une réelle opportunité. Autant pour créer des moments d'échange, un développement commercial, initier une levée de fonds. Il faut y aller sans frein, sans hésitation. C'est vraiment un moment unique et important pour l'écosystème des startups, autant en France qu'en Europe. Donc n'hésitez pas et inscrivez-vous pour ces quelques jours.